Vous allez leur dire quoi, vos joueurs, avant qu'ils entrent sur le terrain, la causerie d'avant-match? Parce que ça fait 14 ans que vous êtes là, à la tête de cette équipe de France. Vous avez encore des choses à vous dire? Ils vous écoutent encore? Oui, je crois qu'ils écoutent, encore une fois, non pas parce qu'on va leur expliquer tout d'un coup des scoops qui seraient essentiels. Je crois que c'est une façon d'apaiser un peu les tensions, une façon de relativiser. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont là avec moi depuis 14 ans. Et donc ceux-là, j'aurais tendance à dire, ils ont l'habitude de ces moments-là. Mais il y a aussi des petits jeunes qui vivent ça pour les premières fois. Et il ne faut pas le dénaturer pour eux. Il faut être plus près d'eux pour que peut-être ils se sentent un peu plus rassurés. Mais je crois que c'est surtout des mots sur le plaisir de vivre des moments comme ça. On ne peut pas avoir peur de quelque chose qu'on est venu chercher. Donc c'est vraiment... se dire que voilà, c'est une belle journée avec un moment exceptionnel, comme il y en a peu dans des carrières. Donc il faut le vivre pleinement, mais avec aussi beaucoup de concentration, d'application, et on l'espère d'efficacité.